La GLC Family face à une nouvelle polémique à cause de Cécica, Jazz fait son mea culpa et prend une décision radicale. La GLC Family fait face à différentes polémiques depuis quelques jours et hier, à cause de Cécica, Jazz a réagi et fait son mea culpa. En effet, le rappeur Cécica a profité de l'absence du couple qui est en train de passer quelques jours en amoureux et leur a ramené un petit requin chez eux, comme vous pouvez le voir. La story partagée sur le compte de la GLC Family a fait scandale sur les réseaux sociaux et les internautes ont vivement lynché la famille. Jazz sort du silence et prend une décision radicale. Que pensez-vous de cette histoire? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bon, vous inquiétez pas, il va être mis dans un bocal et tout, on a préparé tout le truc. On va juste bien préparer tout ça. Et voilà, les autres ils vont être choqués, ils vont rentrer, il y a un requin chez eux. Les amis, comme vous savez, je suis en week-end avec Laurent, les enfants nous rejoignent demain. Et bien évidemment, je reçois vos 1 million de messages ce que Cécica a fait chez moi. Bon, j'ai complètement taré, ça ne choque personne. Mais c'est hyper gentil d'avoir voulu nous faire plaisir. Mais ce requin, je vais le faire remettre dans son état naturel. C'est comme ça qu'on dit. Habitat naturel. Parce que bah, pour moi, un requin, ça va pas être dans une maison. Déjà, dans les grands aquariums, franchement, ça fait de la peine. Mais encore, bon, disons qu'il y a énormément d'espace. Là, à la maison, franchement, non. Franchement, non, ça me fait de la peine pour ce requin. Du coup, je sais que l'intention de Cécica était de nous faire plaisir avec un truc super original. Mais je peux pas garder un requin chez moi. Pas possible. Pour moi, un requin, c'est sa vie c'est un animal sauvage, quoi. Un requin, ça vit dans l'océan, dans la mer. C'est quoi ce bruit? Ça glisse. Pardon, désolé, je me suis pris un petit coup de flip là. Et donc voilà, donc demain, je vais appeler les personnes, je sais pas comment on fait, ou voir. Si on peut le remettre dans la mer ou dans l'océan, je sais pas comment il faut faire. Mais en tout cas, Cécica m'a pas offert un cadeau. Là, il m'a offert un problème. Non, je suis pas pour du tout. Je trouve que les animaux sauvages doivent rester dans la nature et pas dans une maison. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Plus ce fou, il a carrément renommé le requin. Je l'ai vu sur le Snap de Chelsea. Oui, il est toqué complet, je vous l'accorde. Et cette pauvre bête, je vais la remettre de là où elle vient, en fait. Donc peut-être qu'au final, il aura fait un mal pour un bien, bah je vais essayer de la remettre dans la nature, moi. Donc peut-être qu'il sera mieux de là où il vient, parce que je suppose qu'il l'a acheté dans une boutique à Dubaï, ou je sais pas où. Mais on va la remettre dans la nature, si on a le droit, on va se renseigner. Et sinon, je le rends... à la personne à qui il l'a acheté. Parce que bon... non. Bon, j'ai rien d'autre à ajouter, mais moi et Nelson, on fera pas connaissance, quoi. Je n'accepte pas de laisser un requin tourner dans un aquarium. C'est pas possible.